ne limite pas Dieu, mais voit grand. Combien d'entre vous, vous savez qu'on peut limiter Dieu alors que Dieu veut faire de grandes choses, alors qu'il le veut, qu'il le peut, qu'il est capable, parce que nous voyons petit, nous avons petit. Et il est important de voir grand pour ne pas limiter Dieu. Et je suis venu dire à quelqu'un ce matin que Dieu veut faire de grandes choses à travers ta vie. Il veut réellement faire de grandes choses. Et certains pourront dire, mais il ne faut pas vendre du rêve. Je ne vends pas du rêve si quelqu'un croit. Mais si quelqu'un ne croit pas, alors oui, ça restera un rêve. Mais j'aimerais te dire, Dieu est un Dieu qui voit grand. Dieu est un Dieu qui aime faire les choses en grand. Et à travers ta vie, il veut faire de grandes choses. À travers cette église, notre église, il veut faire des choses extraordinaires. À travers cette région, il veut impacter cette région et faire des choses au-delà de ce qu'on peut penser. Imaginez même demander, car Dieu est tout-puissant et Dieu est grand. J'aimerais qu'on puisse prendre nos Bibles ensemble, ouvrir nos Bibles dans 2 Rois au chapitre 13 et au verset 14. Alors qu'Élisée, le prophète Élisée, était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit « mon père, char et cavalerie d'Israël ». Élisée lui dit, il faut savoir qu'à cette époque, Israël était dominé et subissait de nombreuses défaites face aux Syriens. Et le roi Joas, le roi d'Israël, est venu vers le prophète Élisée pour trouver des solutions. Et là, le prophète Élisée va lui dire, Élisée lui dit, prends un arc et des flèches. Et il prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël, bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut fait, Élisée passa ses mains sur celles du roi et dit « Ouvre la fenêtre à l'est » et il l'ouvrit. Élisée dit « Tire » et il tira. Élisée dit « C'est une flèche de victoire de la part de l'Éternel, une flèche de victoire contre les Syriens. Tu battras les Syriens à Aphek jusqu'à leur extermination. » Élisée dit encore « Prends les flèches » et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël « Frappe contre terre. » Il frappa trois fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit, « Il fallait frapper cinq ou six fois, alors tu aurais battu les Syriens jusqu'à leur extermination. Désormais, tu ne les battras que trois fois. » Voyez-vous, le prophète a donné la solution et la parole de Dieu et la volonté de Dieu au roi Joas. Il a dit, pose un acte prophétique. Voici, tu vois ces flèches, prends ces flèches. Et il dit, tire et tu battras les Syriens jusqu'à leur extermination. Ce que Dieu voyait était une victoire totale. Ce que Dieu voyait n'était pas une petite bataille vaincue, une petite victoire dans une bataille, mais ce que Dieu voyait, c'était la délivrance complète de son peuple. Dieu ne voit pas les choses à moitié, il voit les choses en grand, il fait les choses parfaitement et il les voit complètes, afin que le bonheur et la grâce accompagnent ceux qu'il aime et ceux qui ont cru. Mais voilà que Joas a entendu cette parole et la volonté de Dieu, et il dit, voici, ça c'est une flèche qui te donne une victoire, tire. Et il prend la flèche, le prophète se met là avec lui et il tire une flèche prophétique qui annonce la victoire certaine du peuple d'Israël sur l'armée syrienne. Et là, il dit, ce n'est pas fini, prends d'autres flèches avec toi et tire afin que tu battes les Syriens jusqu'à leur extermination. Et voilà que Joas prend une flèche et il frappe contre terre une flèche et une troisième flèche, et il s'arrête à trois flèches. La Bible dit que le prophète s'irrita. Le prophète saisi par l'esprit s'irrita. Saisi par l'esprit, il se mit en colère. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plus. Il ne s'agissait pas juste d'avoir quelques petites victoires. Il s'agissait d'avoir la victoire complète sur l'ennemi, l'oppresseur d'Israël. Enfin, son peuple allait pouvoir être libre. Mais parce que Joas a eu une petite vision, il n'a tiré que trois flèches. Il a dit, tu aurais dû tirer cinq ou six flèches, alors tu les aurais battues jusqu'à ce que ce peuple soit exterminé et vaincu, jusqu'à ce que Israël soit totalement libre. Voyez-vous, cette histoire nous montre à quel point Dieu veut faire les choses en grand. Dieu veut se glorifier.
Dieu est au ciel et je vois cette image de Dieu comme j'aime le roi David. Parce que le roi David, quand il écrit ses psaumes, il était face à des situations improbables, impossibles à résoudre. Mais face à ces situations, il avait pris la bonne habitude. Il avait pris l'habitude de s'arrêter, de regarder peut-être la situation, mais il commençait à méditer sur la grandeur de Dieu. Dans l'équation, il ne mettait pas simplement les capacités humaines. Il ne se disait pas « je peux peut-être avoir une victoire ou deux ou trois, mais après ça fait trop quand même ». Mais David, voyez, que Dieu était capable de tout. Il dit que avec Dieu, il est capable seul de foncer contre une armée entière et de se battre et d'avoir la victoire parce que Dieu est avec lui. Il dit « avec Dieu, je suis capable de franchir seul une muraille sans que les flèches ne m'atteignent ». Il avait cette vision de Dieu sur son trône et à maintes reprises face aux difficultés, il commençait à regarder à quel point Dieu est grand et Dieu peut faire grand. Et il disait, je vois Dieu sur son trône, je vois des flammes de feu sortir de sa bouche et pour moi Dieu se lève, pour moi Dieu se lève du haut de son trône et il vient sur cette terre monté sur un chérubin revêtu de lumière et d'éclat et de sa bouche sortent du feu et des charbons ardents parce qu'il est en colère contre les ennemis du roi David. Et c'est le Dieu qu'il voyait, revêtu de tonnerre. Et il disait, mon Dieu descend de son trône et il envoie des flèches de toutes parts. Sa voix gronde et ses ennemis se dispersent. Je suis au milieu des grandes eaux, il étend son bras et il me retire du milieu des grandes eaux en pleine fournaise au milieu de mes adversaires. Et il me met au large parce qu'il m'aime. David avait cette vision de Dieu. Il savait que Dieu était au ciel et qu'il régnait et que Dieu se plaisait à venir sur terre et à intervenir dans nos vies pour faire des exploits, pour magnifier son nom, pour élever son nom, pour se glorifier et montrer aux hommes à quel point il est capable. C'est le Dieu que nous avons. Joas a limité Dieu. Et cela nous montre à quel point, avec notre foi, nous pouvons limiter Dieu. Frères et sœurs, ne limitons pas Dieu. Cessons de voir petit, de penser petit. Nous devons commencer à penser à la dimension de l'impossible. Écoutez ce que dit Jérémie le prophète. Jérémie 32, 27. « C'est moi qui suis l'Éternel, le Dieu de toute créature. Y a-t-il quoi que ce soit de trop difficile pour moi ?» Dieu dit « Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour moi ?» Que veux-tu que Dieu fasse? Est-ce trop difficile pour Dieu? Non, tout est facile pour Dieu parce qu'il est Dieu, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Frères et sœurs, nous devons nous rappeler aujourd'hui à Granby ici que rien n'est impossible à notre Dieu. Rien ne lui est trop difficile. Le centenier, et vous savez, Dieu aime quand des hommes et des femmes commencent à demander à Dieu des choses qui semblent aux hommes difficile, voire impossible. Et je peux imaginer Dieu au ciel en train d'acclamer et de dire « Bravo, enfin quelqu'un qui me regarde, enfin quelqu'un qui me demande des choses qui sont un peu plus difficiles que ce qu'on me demande d'habitude. Voilà quelqu'un qui me demande quelque chose qui est étonnant. Voilà quelqu'un qui me demande quelque chose qui sort complètement de l'ordinaire parce que cette chose est tout simplement impossible aux hommes. Il n'y a que moi qui puisse faire de telles choses. » Et Dieu acclame au ciel et Dieu est content et Dieu intervient. Le centenier romain est venu vers Jésus et a dit « Mon serviteur est malade, il est couché et il est paralytique. » D'habitude, les hommes disaient à Jésus « Viens et impose les mains, parce qu'on a vu que c'est comme ça que tu fais. » Et voilà que ce centenier se retrouve face à Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et il dit à Jésus « Non, je ne suis pas digne que tu viennes chez moi, mais dis seulement un mot. » Jésus lui a dit « Je vais venir. » Il dit « Mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Un mot. Et Jésus est étonné. Chaque fois que Jésus est étonné, bousculé par la foi de quelqu'un, il le souligne, il dit « Même en tout Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. » Voilà un homme qui ne voyait pas petit, mais qui voyait grand. Un mot suffit de ta part. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Jésus a dit « Qu'il en soit fait selon ta foi. » Voyez-vous, Dieu a vu grand pour Joas, mais Joas a vu trop petit et il a eu
petit, que vois-tu aujourd'hui? Que rêves-tu? Que penses-tu? Qu'est-ce que tu perçois que Dieu veut faire et peut faire? Tout est possible. Il n'y a rien de trop difficile pour notre Dieu. Il est important qu'on voit grand, comme Dieu lui voit grand. Vous voyez, de la Genèse à l'Apocalypse, Dieu a fait les choses en grand. Regardez la Bible et dites-moi quand c'est que Dieu, quand il entre en scène, fait quelque chose de petit. Jamais. La Bible n'a pas été écrite pour relater les histoires du passé uniquement pour qu'on chante des cantiques et qu'on se rappelle que notre Dieu est grand. Ces histoires ont été écrites pour susciter notre foi et nous rappeler que ce que Dieu faisait hier, il le fait encore aujourd'hui, il peut le faire aujourd'hui dans ta vie. Il peut le faire aujourd'hui dans l'Église. Mais ne soyons pas comme Joas, à voir petit parce que nous aurons petit. Dieu veut se glorifier. Il veut élever nos pensées à la hauteur de ses pensées. Regardez dans la Genèse, il a créé la terre. La terre dont on ne se lasse pas, la terre dont les scientifiques sont encore en train de découvrir les choses et de chercher. Sa science est inépuisable, sa beauté est incroyable. Le soleil, la lune, les étoiles, on part en vacances dans des endroits extraordinaires. On se prélasse sans se lasser. Pourquoi on ne se lasse pas? Pourquoi on est toujours émerveillé chaque matin, chaque jour? Parce que Dieu a fait les choses en grand. Imaginez-vous, il avait fait un petit lopin de terre et c'était moche et les arbres n'avaient pas de feuilles. Mais non, il a fait les choses en grand parce que Dieu voit grand et Dieu fait les choses à la perfection. Regardez le peuple d'Israël. Comment Dieu a délivré le peuple d'Israël? Le peuple d'Israël était sous la servitude des Égyptiens, l'armée la plus puissante du monde. Et son peuple qu'il aimait, il est venu le délivrer. Il a entendu ses cris et quand Dieu est descendu, il n'a pas fait les choses à moitié. Dieu a fait un véritable spectacle en 11 rondes, même plus. Il envoie 10 plaies, une par une, les unes après les autres, pour montrer sa puissance qui domine la puissance des Égyptiens, leur faux dieu et leur fausse, leur magie. Et Dieu se glorifie de gloire en gloire dans ses miracles. Et puis arrive le moment du spectacle de l'apothéose. Il aurait pu faire comme Hérode, le frapper par un ange, et puis bon, on tue Pharaon et c'est fini, et puis il laisse partir le peuple d'Israël de l'Égypte. Non, Dieu va faire grand, parce qu'il voit grand, parce qu'il aime magnifier son nom et se glorifier. Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, on va mettre en place un scénario avec un bâton que Moïse va élever. On va littéralement, devant toute l'armée des Égyptiens, tous réunis, des millions de soldats, on va ouvrir, ou des centaines de milliers, on va ouvrir la mer en deux. Et Dieu littéralement ouvre la mer Rouge en deux. Mais qui peut faire ça? Personne. Est-ce difficile pour Dieu? Non! Il souffle un vent, ou je ne sais comment, la mer s'ouvre en deux, Israël traverse à sec, et les Égyptiens arrivent et ils sont engloutis littéralement. Les ennemis de Dieu, le peuple le plus puissant du monde, l'armée la plus puissante du monde, engloutie dans la mer Rouge. Ça, c'est notre Dieu. Et dans le désert, il aurait pu faire quelque chose, mais voilà, qui fait tomber tous les matins une nourriture qui vient d'en haut, fabriquée au ciel directement par les boulangers célestes et qui descend sur la terre. Une nourriture que personne n'a vue. Mais écoutez, vous voulez de la viande? Vous en aurez. Et il souffle un vent et des cailles par milliers, centaines de milliers tombent de partout. Mais franchement, qui peut faire ça? C'est notre Dieu. Il voit grand, il fait grand, il pense grand, car il est grand et il est tout puissant et rien ne lui est impossible. Ça, frères et sœurs, c'est le Dieu dont je veux me rappeler. Et chaque fois que je vois grand, je pense grand et que j'arrive à percevoir grand. Parce que si vous arrivez à le voir, vous arrivez à l'obtenir. Si dans votre cœur, vous voyez cette chose et que c'est dans la volonté de Dieu, vous savez que vous pouvez l'obtenir, ça s'appelle la foi. Mais il en sera fait selon notre foi. Et je continue. Dieu voit grand pour les apôtres, à travers de simples hommes qui étaient des pécheurs. Voici que Dieu se glorifie et l'ombre de Pierre, son ombre, ils amènent tous les malades. Il n'y en a pas un qui n'est pas guéri à travers un pêcheur de poissons qui a renié 3 fois le Christ. Rempli du Saint-Esprit, Dieu a fait les choses en grand. Pierre passe
et l'ombre, la proximité de Pierre, aux côtés de ces malades, guérit tous les malades. Mais imaginez-vous, Dieu voit grand. À la Pentecôte, il aurait pu sauver quelques âmes, mais non, Dieu a sauvé toutes les âmes. Tous ont été sauvés, tous, 3000 hommes, le cœur vivement touché, se repentant. Que pouvons-nous faire pour être sauvés? Repentez-vous et soyez baptisés. Et 3000 âmes furent ajoutées à l'église ce jour-là. Dieu fait les choses en grand. Et continuons, Apocalypse. La ville qui descend, la nouvelle Jérusalem. Aucun homme, tous les gouvernements peuvent s'unir, s'allier pour essayer de bâtir un tel joyau. Il leur sera impossible, même dans l'éternité tout entière. Dieu a lui-même façonné cette ville. Et elle est d'un or pur, semblable à du verre transparent. Elle est, chacune de ses portes est une immense perle précieuse. Les fondements de la ville sont de 12 pierres précieuses, des plus précieuses du monde. C'est extraordinaire. C'est ce que Dieu fait. Il fait les choses en grand. Elle est immense. C'est la nouvelle Jérusalem. Et aujourd'hui, j'aimerais dire à quelqu'un que ce temps n'est pas terminé. Encore il y a quelque temps, je viens de recevoir un appel de mon ami, le docteur Moussa Touré, qui me racontait qu'un autre ministère, je ne vais pas dire son nom, il est milliardaire, et son objectif, c'est d'ouvrir à la fois businessman et à la fois dans le ministère, d'ouvrir 1 million d'églises dans le monde. Et ils ne sont pas loin d'avoir atteint l'objectif, 1 million d'églises qu'ils financent eux-mêmes. Et il fait un travail extraordinaire. Et voilà qu'il était dans un pays musulman. Il y est allé et il s'est fait attraper en prêchant l'évangile et en distribuant des bibles par des musulmans extrémistes. Et il s'est fait attraper, attaché à un bois et ils allaient le tuer. Et dans la nuit, un ange est venu et l'a délivré comme Pierre. A détaché les liens et il a pu fuir tranquillement sans que personne ne le voie. Et c'est juste merveilleux ce que Dieu fait. Souvenez-vous de Charles Finney il n'y a pas encore si longtemps. Charles Finney, il rentre dans une usine. Il ne prêche pas, il n'ouvre pas la bouche. Juste sa présence dans l'usine. 1000 ouvriers, tous les uns après les autres, tombent à genoux, convaincus de péché par le Saint-Esprit, se repentent. Il n'a pas ouvert la bouche. Puis après, il a prêché, leur a annoncé le salut. C'est encore possible pour aujourd'hui. Dis à ton voisin, vois grand et ne limite pas Dieu. Alléluia. On peut ouvrir nos Bibles dans 2 Rois au chapitre 2, au verset 2. Dieu veut qu'on voit grand pour l'onction du Saint-Esprit. Dieu veut qu'on voit grand pour la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers nos vies et à travers ta vie. 2 Rois, chapitre 2, verset 2 à 12. Élie dit à Élisée, « Reste donc ici. » Élie, c'était le prophète, Élisée, c'était son disciple. « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » C'était le jour où Élie allait être enlevé et enlevé sur un chariot de feu et monté au ciel. Dieu avait décidé de reprendre son grand prophète Élie, qui faisait des miracles extraordinaires. Et Élisée lui dit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Non, je ne te quitterai pas. » Et ils descendirent à Bethel. Les membres de la communauté des prophètes de Bethel sortirent de la ville vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton Seigneur au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste donc ici, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les membres de la communauté de prophètes de Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que c'est aujourd'hui que l'Éternel va enlever ton serviteur au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Moi aussi, je le sais. Taisez-vous. » Élie lui dit, « Reste donc ici, car l'Éternel m'envoie vers le Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai pas. » Ils poursuivirent tous les deux leur chemin. Une fois qu'ils eurent traversé, Élie dit à Élisée, « Dis-moi ce que tu veux que je fasse pour toi avant d'être enlevé loin de toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi une double part de ton esprit, » ou d'autres traductions disent « une double onction ». Élie dit, « Tu demandes quelque chose de difficile.
Toutefois, si tu peux me voir pendant que je serai enlevé loin de toi, cela t'arrivera. Sinon, cela ne t'arrivera pas. » Alors ils continuaient à marcher tout en parlant. Un char et des chevaux de feu s'approchèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait tout en criant « mon père, char de la cavalerie d'Israël !» Puis il ne le vit plus, il prit alors ses habits et les déchira en deux. Et vous savez que quand, après cette scène, Élisée va prendre le manteau d'Élie qui est tombé, il a vu Élie, il a pris son manteau et il est allé devant le Jourdain et il a tapé les eaux du Jourdain comme le faisait Élie. Et le Jourdain s'est ouvert en deux. Et Élisée a obtenu la double part de l'esprit, de l'onction, de la puissance de Dieu qui était sur le prophète Élie. C'est possible. Il l'a reçu, la double part, parce qu'il l'a désiré. Il a vu grand, il a vu grand et il a obtenu grand. J'aimerais vous dire que l'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui nous permet d'opérer dans une dimension surnaturelle. Une dimension où Dieu fait ce qu'on ne peut pas faire, ce que l'homme ne peut pas faire. L'onction du Saint-Esprit est donnée à l'Église et à toute personne sur cette terre qui est née de Dieu et qui veut servir Dieu et qui est serviteur de Dieu pour pouvoir accomplir sur cette terre les desseins de Dieu pour servir les autres. Ésaïe 61 nous dit que l'onction ne nous est pas donnée pour nous-mêmes. L'onction ne sera jamais donnée pour toi et pour faire de quelqu'un de toi. Mais l'onction de Dieu est donnée à un cœur qui désire servir Dieu avec efficacité, avec puissance, pour pouvoir libérer les captifs, délivrer les captifs, guérir les malades, guérir et restaurer ceux qui ont le cœur brisé. Mais l'onction, ce n'est pas tout juste pour faire des miracles. L'onction, c'est aussi la sagesse qui vient d'en haut, supérieure à la sagesse des hommes, l'intelligence qui vient de Dieu, qui surpasse tout raisonnement humain. L'onction fait d'un homme ordinaire un homme extraordinaire avec qui Dieu opère et fait des signes et des prodiges. Et Élisée voulait l'onction du Saint-Esprit, parce qu'il voulait être utile pour le royaume de Dieu. Il voulait que sa vie compte. Il voulait faire quelque chose. Mais voyez-vous, personne n'est venu dire à Élisée, « Élisée, voici comment ça va se passer. Voici, tu vas opérer à la dimension de Élie. » Même Élie ne l'avait pas vu. Élisée était un prophète parmi les autres prophètes, parmi tous ces prophètes qui, dans sa course, alors qu'il suivait Élie, le jour de son enlèvement, les prophètes disaient, « Hé, tu sais que ton serviteur va partir ?» Et Élie lui disait, « Mais reste ici, ne viens pas avec moi, mets-toi sur le banc des autres, reste avec les autres, fais comme les autres. » Mais dans le cœur d'Élisée, il y avait un rêve, frères et sœurs. Élisée s'est détaché de tous les autres prophètes. Élisée s'est détaché même de la pensée qu'avait Élie. Il y avait quelque chose qui se passait juste dans le cœur d'Élisée. Et Dieu le voyait, et Dieu le savait. Mais ce qui est étonnant de voir, c'est que Dieu, même si Élie a dit que ce que tu demandes, c'est difficile, écoute, moi Dieu fait déjà des choses extraordinaires avec moi, et toi tu demandes le double. Mais Élisée aurait pu demander le triple, le quadruple, Dieu aurait donné. Parce que quand il s'agit de l'onction du Saint-Esprit, quand il s'agit de faire avancer le royaume de Dieu sur terre, quand il s'agit de chambouler une région ou une ville, quand il s'agit de chambouler un quartier, une ville, une vie, une famille, Dieu est toujours prêt à manifester sa gloire et à donner son onction. Mais qui voit grand? Qui pense grand? Qui ose, comme Élisée, croire que c'est possible? Qui ose persévérer face à l'adversité? On va te dire, non, oublie, t'es un rêveur, toi, laisse tomber. Non, je ne te quitterai pas, taisez-vous. Parce qu'à l'intérieur de moi, il y a une voix qui dit, Dieu a mis en moi un rêve. Et je me vois opérer deux fois plus qu'Élie. Je me vois faire deux fois plus de miracles. Je vois Dieu se manifester deux fois plus que lui. Je vois Dieu faire à travers ma vie de grandes choses. C'est inscrit en moi. Vous pouvez dire ce que vous voulez. Je le vois et je l'obtiendrai. Parce que Dieu donne l'onction. Parce que ce n'est pas pour moi. C'est pour son royaume que je le veux. Élisée continue. Il aurait pu voir petit et il n'aurait rien eu. Mais il a osé croire grand. Il a osé voir grand. Il a osé étonner Dieu. Oh, oh, la double part. Et Dieu lui a donné. Élisée a écouté son cœur et n'a pas écouté ce que les autres disaient. J'aimerais rappeler à quelqu'un ce matin.
C'est essentiel d'écouter ce que tu as mis dans ton cœur. Si ce n'est pas un désir égoïste, ce n'est pas pour toi. Mais si ton cœur bat pour les âmes perdues, si ton cœur bat pour faire la différence, si ton cœur bat pour être un collaborateur avec l'Esprit de Dieu et avec le ciel pour faire avancer le royaume des affaires de ton Père et du Seigneur Jésus-Christ sur cette terre, alors tu désires quelque chose de noble. Alors tu aspires à quelque chose de noble. Alors c'est peut-être Dieu qui a mis dans ton cœur une flamme, un rêve, un but, quelque chose qui brûle à l'intérieur et tu ne dois pas l'éteindre. Peu importe ce que vivent les autres à côté, peu importe ce que vivent les pasteurs, les ministères, les autres églises, je veux écouter ce qu'il y a dans mon cœur. Élisée a écouté son cœur. Il a écouté ce qu'il voyait. Il a écouté ce qu'il percevait. Et il s'est dit, c'est possible. Et il a eu la double part de l'onction qui était sur la vie d'Élie. Ne laisse pas cette flamme et ce rêve s'éteindre parce que tu veux te conformer à ce que font les autres. Mais écoute ton cœur. Jésus a dit, en vérité, je vous le dis, celui qui croira fera des œuvres que je fais et il en fera des plus grandes encore. Parce que je m'en vais vers mon Père. Il continue dans Jean 14, il dit, je vous le dis, tout ce que vous me demanderez en mon nom, je le ferai. En vérité, je vous le dis, tout ce que vous demanderez, je le ferai. Les apôtres l'avaient compris. Pierre arrive, je n'ai ni or ni argent. Mais Jésus m'a dit ceci. Alors ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et l'homme se lève et marche. Ça, c'est la vérité. Mais nous devons voir grand. Est-ce que tu vois grand ? Dis à ton voisin, vois grand. Alléluia. Nous devons aspirer, frères et sœurs, aux dons spirituels. En ce moment, le pasteur Jérémie fait des enseignements sur les dons spirituels. Mais nous avons besoin des dons spirituels. Mais la Bible nous dit concernant les dons spirituels dans 1 Corinthiens au chapitre 12 qu'ils sont à notre disposition les dons les meilleurs, les 9 dons de l'Esprit. Combien cette région a besoin des dons de guérison, le don d'opérer des miracles, le don de discernement, le don de sagesse. Nous avons besoin des dons extraordinaires de Dieu. Mais comment recevoir ? La Bible dit que l'Esprit le donne à qui il veut, selon son bon vouloir. Mais Paul dit une seule chose dans tout ce passage, une seule condition. Ok, l'Esprit donne à qui il veut, mais qui l'Esprit va choisir ? Paul dit « aspirer ». Aux dons les meilleurs. Frères et sœurs, nous devons voir grand, mais pour voir grand et obtenir grand, il faut aspirer. Le mot aspirer, c'est le mot zilo. Ce mot signifie brûler d'envie. Il signifie bouillir d'envie, brûler de zèle, désirer sincèrement poursuivre la chose, lutter pour obtenir cette chose. Voyez-vous, ce mot, c'est pas juste aspirer. Oh Seigneur, donne-moi les dons spirituels. Non, c'est une quête. Une quête où tu n'abandonnes pas jusqu'à ce que tu aies obtenu. Une quête où tu continues à marteler, à demander, à chercher et à frapper comme Jésus l'a dit, jusqu'à ce que le ciel s'ouvre et que tu vives cette expérience glorieuse et que les dons les meilleurs te soient donnés dans toute leur plénitude afin que tu puisses expérimenter et vivre la gloire de Dieu. Les dons sont aussi pour l'Église. Les dons sont pour nous. Nous devons y croire. Nous devons le voir. Nous devons y aspirer. Élisée a aspiré. Élisée a lutté pour obtenir. Élisée a cru et a vu grand et il a obtenu. Amen. Et c'est ce qu'on doit vivre. Jésus a dit dans Luc au chapitre 11 et au verset 13, « Si donc mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. Le Père céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » Jésus a dit, quand on demande une pierre, est-ce que Dieu, on demande un pain, est-ce que Dieu va nous donner une pierre ? Quand on demande un poisson, est-ce que Dieu va nous donner un scorpion ? Non. À combien plus forte raison ? Si vous, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, comment le Père ne vous donnera-t-il pas le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent ? Écoutez bien, dans le grec, le texte original, quand on lit ce passage, l'article « le pronom « le », c'est un pronom ou un article, chérie ? « Le », c'est quoi ? C'est un pronom, c'est un déterminant. Le déterminant « le » n'est pas là. Il n'est pas dans le texte. Toutes les fois où on parle de la personne du Saint-Esprit, le déterminant « le » dans le texte original est là. Le docteur Swete
dit que 34 fois, il est fait référence au Saint-Esprit sans qu'il y ait le déterminant « le » devant. Et quand c'est le cas, il ne s'agit pas de la personne du Saint-Esprit, mais il s'agit des dons et de la communication des dons du Saint-Esprit, des œuvres du Saint-Esprit. Donc dans ce passage, Jésus est littéralement en train de dire « écoutez, vous avez besoin des dons de l'Esprit. Vous avez besoin de la plénitude du Saint-Esprit. Alors, demandez, cherchez, frappez, persévérez, et les dons du Saint-Esprit vous seront communiqués. » Alléluia. Dieu veut nous encourager à voir grand pour notre Église. Est-ce que tu vois grand pour cette Église? Ou est-ce que, comme beaucoup, tu es là, tu regardes et tu regardes à ce que tes yeux voient? Mais il ne faut jamais regarder à ce que tes yeux voient. Il y a un couple missionnaire qui s'appelle Claudio et Betty Fredson, je crois vous en avoir déjà parlé. Claudio et Betty Fredson étaient des ministères aux États-Unis. Et Dieu leur a dit, retourne Claudio dans ton pays en Argentine et tu vas bâtir une église en Argentine et je vais faire de grandes choses. Claudio et sa femme ont tout vendu, ils sont allés en Argentine, ils ont commencé le ministère. Tous les jours, Claudio Fredson était avec son haut-parleur, il était à l'extérieur et il prêchait. Il a dit, je crois en 4 ans, j'ai eu 0 conversion. 0 en 4 ans. Les seules personnes qui s'attachaient à nous, ils disaient, c'était des grands-mères parce qu'on leur rendait des services. Et personne ne se convertissait. Il prêchait de tout son cœur, de toutes ses forces. Il priait, il jeûnait, il cherchait Dieu. Rien. 0 conversion. Mais à partir de 4 ans, je crois, l'Esprit de Dieu a commencé à descendre, à se manifester. Et aujourd'hui, c'est devenu la plus grande église d'Argentine avec tout ce qui va avec, les campus, les évangélisations. Et ils ont gagné des milliers, des milliers. L'église est plus de 30 à 50 000 membres, je ne sais plus exactement. Extraordinaire. Mais ils étaient là et sa femme disait, mince, on n'a même pas un toit normal, on habite dans une petite cabane et l'eau coule à l'intérieur. Il ne faut jamais regarder à ce que tes yeux voient. Il faut regarder à ce que Dieu a inscrit dans ton cœur, à ce qui brûle depuis tant d'années, à ce rêve qui est là et que tu es en train d'éteindre parce que tu regardes avec ce que tes yeux voient. Mais Dieu te dit, persévère, crois encore, ose voir grand car je suis grand et je veux me manifester. Et ce que j'ai mis dans ton cœur comme rêve, je vais le faire. Frères et sœurs, voyons grand pour l'Église plénitude. Ce n'est que les commencements. L'église que nous devons voir, c'est l'une des plus grandes églises du Québec, du Canada. Nous devons le voir, pas par orgueil, mais parce qu'il y a des âmes qui meurent. Et la structure qui les sauvera, c'est l'église. La structure qui les fera paraître parfaits devant Dieu, c'est l'église. Nous devons voir grand. Les âmes seront sauvées au Québec. Une par une s'il le faut, par vague et par filet s'il le faut. Je ne sais pas comment, mais les âmes seront sauvées et je refuse de voir autre chose parce que la parole de Dieu est remplie de promesses que Dieu veut que chaque âme soit sauvée, que ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu et qu'il enverra son esprit sur toute chair. Nous pouvons le vivre encore aujourd'hui et nous allons le vivre. Une église glorieuse, un bâtiment glorieux. Il y aura tellement de conversions que ce que nous devons voir, frères et sœurs, c'est qu'il n'y aura plus de place. Et plutôt que d'avoir un auditorium de 10 000 places, nous aurons plein de campus qui s'ouvriront et des missionnaires qui seront envoyés, des hommes et des femmes ordinaires qui seront formés, remplis du Saint-Esprit et qui deviendront des prédicateurs de l'Évangile, des pasteurs qui prendront soin des brebis. C'est la vision que Dieu a pour cette région et pour la francophonie. Nous devons croire et voir grand. Une église avec Gordon, le meilleur son. Je ne sais pas ce que tu vois, mais le meilleur son de la francophonie, pas par orgueil, mais parce qu'on croit que Dieu peut faire quelque chose de nouveau, un son nouveau. Une louange qui bouleverse les cœurs. Une louange même qui peut amener des âmes à se tourner vers Dieu tellement la présence de Dieu descend. Des réunions tellement empreintes de la présence palpable de Dieu que les gens n'arrivent même pas à rentrer tellement ils sont saisis par l'Esprit de Dieu. Ou guérir les malades n'est même plus une question de ce qui sort de notre bouche, mais simplement une question d'une main posée. Vous imposerez les mains aux malades et les malades seront guéris. Une église qui vit les actes et la gloire de Dieu. Une église où ce n'est pas simplement les leaders, les apôtres, les pasteurs, les ministères, etc.,
mais une église remplie de la présence de Dieu avec des frères et des sœurs qui sont des Ananias, des Étienne. Ananias était en prière, et alors qu'il était en prière, l'Esprit de Dieu lui parle et lui montre une rue. Va dans la rue appelée la droite, parce qu'il y a un homme qui s'appelle Saül de Tarse. Il a eu une vision, il t'a vu venir, il est aveugle, impose-lui les mains et amène-le au salut. Des frères et des sœurs qui sont en prière dans cette église, et à l'heure de la prière, l'Esprit de Dieu descend sur eux, les visite et leur montre des choses, des rues, des visions, des choses. C'est possible! Des frères et sœurs en train de servir sur aux tables dans des services importants à l'église, et tout à coup il y a un paralytique qui passe, et tout à coup il s'arrête, et par les mains d'Étienne il se faisait des prodiges tels qu'il dérangeait les religieux au point où on l'a lapidé. Il faisait encore plus de miracles et de prodiges par les mains du frère Étienne, qui n'était pas un des apôtres, que par les apôtres à ce moment-là. C'est possible? Est-ce que tu peux le voir? Est-ce que tu peux le croire? Est-ce que tu peux y aspirer? Est-ce que tu peux chercher? Est-ce que tu peux frapper? Est-ce que tu peux ne pas te relâcher? Est-ce que tu le veux? Si Dieu le voit, il va nous le donner. Une église influente, une église remplie de Dorcas. Il n'est pas que question de chasser des démons, guérir des malades dans l'église de Jésus-Christ. Il y avait des Dorcas ou des Tabitha, si vous préférez. Elle avait les deux prénoms. Tabitha, lorsqu'elle est morte, on a appelé Pierre pour la ressusciter. Tout le monde pleurait la mort de Tabitha. Pourquoi? Parce que les Tabitha dans l'église de Jésus, les Dorcas, ce sont des gens qui sont tellement animés de l'amour de Dieu qu'ils se donnent pour les autres. Ils prennent soin des gens, ils prennent soin des brebis, ils tricotent des vêtements. Ils mettent en fait leur talent au service du royaume de Dieu. Et que dans notre église, il y ait des Dorcas à profusion, hommes et femmes qui mettent leur talent au service de Dieu, au point que comme Étienne, comme Ananias, comme Philippe et Dorcas, des âmes sont gagnées, des vies sont transformées, des personnes qui étaient droguées, des personnes qui étaient dans le plus bas fond sont littéralement transformées par la puissance de Dieu. Pauvres et riches viennent à Christ. Une église multiculturelle, une église remplie de personnes différentes, mais tous unis par l'amour de Dieu et voyant une seule chose, Jésus-Christ de Nazareth, leur Seigneur et leur Sauveur, dont le nom est inscrit au fond de leur cœur, des amoureux de Jésus et passionnés qui se réunissent chaque semaine pour adorer et lever son nom à la gloire de Dieu le Père. C'est l'église que nous voyons. C'est l'église que nous allons avoir. C'est l'église que nous devons croire. Alléluia. Nous devons, frères et sœurs, repousser nos limites et rechercher l'excellence. L'excellence, je le découvre de plus en plus, a une vertu, un pouvoir extraordinaire sur la vie des gens. L'excellence attire. L'excellence fidélise. L'excellence fait du bien. Et Dieu a fait les choses avec excellence. Nous devons repousser nos limites et ne pas nous contenter de ce qui est simplement correct, mais de dire non, ici, dans cette maison, nous recherchons le meilleur dans la louange, le meilleur dans l'accueil, le meilleur dans le protocole, le meilleur dans la prédication, le meilleur dans le service, le meilleur dans le suivi, le meilleur dans le ministère, le meilleur dans l'amour, le meilleur dans l'organisation, le meilleur dans le décor, le meilleur en tout. Si les gens vont dans un restaurant meilleur que l'autre, c'est parce qu'il est meilleur que l'autre qu'ils vont dans ce restaurant. Parce que là, ils trouvent que c'est encore plus bon qu'ailleurs. L'excellence fera que les gens s'attacheront à la maison de Dieu, que les gens aimeront être dans cette maison. Et tu as quelque chose à apporter au niveau de l'excellence. Lorsque Dieu a créé ce monde, Dieu l'a fait avec excellence. C'est son excellence qui l'a porté. Dieu a fait les choses étape par étape. Et chaque fois qu'il a fini de créer le ciel, la terre, il regarde, il juge, il dit, et Dieu vit que ce qu'il a fait était bon. C'était excellent. Puis il passe à autre chose. Tant que ce n'est pas excellent, il continue. Mais quand il atteint le niveau d'excellence, c'est bon. Il passe à autre chose. On doit voir que c'est bon. L'excellence, on a atteint le niveau de l'excellence quand on regarde et on fait « Oh, c'est bon. Je suis satisfait. Je suis content. C'est parfait. C'est très bien là. Ça n'a pas besoin d'être parfait. Ça doit être excellent. Bon. » Vous voyez? Et cette excellence, nous devons la rechercher et la poursuivre. Devons rechercher l'excellence au niveau des enfants. Vous savez, j'ai appris récemment que le critère numéro un de croissance de plusieurs méga-churches, ce sont les enfants.
offrons dans cette église le meilleur et le service le plus excellent pour les enfants, afin que ce soit les enfants des inconvertis qui disent « Maman, papa, on est allé une fois dans cette église, on y retourne, c'est trop bien !» Et les parents se convertissent. Le meilleur pour les enfants, le meilleur dans tous les domaines. C'est ce que Dieu veut qu'on fasse, on doit voir grand pour l'excellence. Mes frères et sœurs, voir grand, vous êtes là ? Voir grand, ça demande un prix à payer. Car je vous le dis, et cette parole est vérité, elle est vérité. Aucune grande vision ne s'accomplit à moins de payer un prix fort, à moins de travailler fort dans le naturel et dans le spirituel. Aucune grande vision ne s'accomplira sans sacrifice et sans prix payé. Moi, je crois, et à plénitude, on croit en l'équilibre. L'équilibre, on ne croit pas que servir Dieu doit être fait au détriment de la famille et du bonheur familial. Mais on ne croit pas non plus que profiter de la famille et des choses de la vie doit se faire au détriment de servir Dieu. Il y a un équilibre et c'est dans cet équilibre qu'il faut travailler. Et c'est dans cet équilibre qu'il faut rester, pas l'un sans l'autre. Il faut respecter les priorités. D'abord notre relation avec Dieu, ensuite notre conjoint, la famille et ensuite le service pour Dieu. Mais il faut les deux. Si dans ta vie, il n'y a que le service pour Dieu et un déséquilibre, alors mets l'équilibre. Mais parfois, il n'y a pas d'autre moyen que d'arriver à l'équilibre que de payer le prix. Tu vas te coucher un peu plus tard que les autres et te lever un peu plus tôt, et le Seigneur renouvellera tes forces. Mais tu n'as pas le choix. L'équilibre ne peut s'atteindre parfois qu'en disant non à certaines choses que tu juges futiles dans ta vie, qui prennent du temps. Il y a un prix à payer. Que ce soit pour dire non, ou pour se discipliner, ou que ce soit pour se coucher, dormir moins, pour pouvoir faire ces choses. Mais il faut payer le prix. Agé au chapitre 2, je vais lire au verset 4 pour aller vite. Le peuple d'Israël rentrait de captivité, il fallait reconstruire ce temple qui avait été détruit par les Babyloniens. Et Dieu va dire, alors que le peuple s'occupait uniquement de ses maisons, il va dire, est-ce le temps de s'occuper uniquement de vos maisons alors que ma maison est détruite ? Et il va les encourager, il va leur dire ceci. Écoutez bien, c'est Dieu qui parle. Il dit, « Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, déclare l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Josadac, grand prêtre. Fortifie-toi, peuple tout entier du pays. » Dis à ton voisin, peuple entier du pays. Déclare l'Éternel et travaillez, car je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel, le maître de l'univers. Là, Dieu va dire, pas juste à Josué, on peut dire que c'est les pasteurs principaux. Et c'est pas juste Josué qui doit se fortifier et travailler. C'est pas juste Zorobabel, on va dire que c'est les autres leaders investis dans l'église qui doivent travailler. Il dit « Fortifie-toi, peuple tout entier !» Parce que Dieu a une vision pour toi, pour le service aussi. Il ne veut pas que tu sois à l'église et que tu t'assoies simplement sur une chaise le dimanche matin et que tu mènes ta vie tranquille et routinière. Non, il y a un rêve de Dieu pour ta vie. Tu dois le saisir, ces jours dont il a écrit, qui t'étaient destinés dans le livre, dans son livre, avant que tu ne sois tissé dans le ventre de ta mère. Tous tes jours étaient inscrits. Tous tes jours. Il y a des choses que Dieu veut faire. Nous devons tous nous mettre au travail dans l'esprit, dans les réunions de prière, dans les réunions d'église, ensemble, être là, fervent d'esprit, et travailler dans l'esprit, accoucher des choses de Dieu. Nous devons être là dans les réunions fraternelles, frères et sœurs. Avec Jérémy, hier, on s'est appelé juste comme ça pour prier pour le culte de ce matin. Un petit appel, on a prié ensemble. Et il doit y avoir ce prix payé dans les connexions les uns et les autres. Mon frère, ma sœur, viens, on va prier pour cette région, on va prier pour telle chose, on va prier pour telle victoire. Il y aura un prix à payer individuellement dans votre consécration personnelle. Mais je peux entendre certains, oui, mais pasteur Michael, mais mon confort, j'aime mon confort, j'aime ma petite vie. Il n'y aura pas de grande vision sans sacrifice. Si tu veux le voir s'accomplir, tu dois payer un prix. Ça ne viendra pas, ça ne tombera pas du ciel.
Dieu n'a pas dit, ok, le temple va être construit juste par le Saint-Esprit. Non, il a dit, ni par votre force, ni par puissance, mais par mon esprit. Mais il a aussi dit, travaillez, travaillez fort, tellement fort que vous devez vous fortifier. Mais pas avec un déséquilibre. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Alors, je finis avec ce point. Pourquoi c'est si dur de voir grand, de payer le prix pour que cette grande vision, on voit grand et on veut que ça s'accomplisse? Jésus va donner une parabole, la parabole des talents. Il nous a tous donné au moins un talent. Chacun d'entre nous, on est né avec un talent, quelque chose qu'on fait de mieux, de plus facilement que les autres. Certains, c'est évident, d'autres un peu moins, mais on a tous reçu un talent. Et il donne cette parabole des talents et les serviteurs vont servir et il y en a un qui va cacher son talent et qui va l'enterrer, etc. Et remarquez ce que Jésus va dire à ce serviteur quand il va revenir. Il va dire, serviteur méchant et paresseux. Il avait beau donner tous ses arguments, ce serviteur, Jésus a vu la vraie raison, la paresse. La paresse, je sais ce que c'est la paresse. Je ne suis pas en train de vous faire une leçon de morale. Paul disait, je traite durement mon corps afin de ne pas être disqualifié. La paresse, c'est quelque chose. Même Paul était en proie à la paresse. Mais c'est cette paresse qui fait qu'on est en stand-by permanent, qu'on ne bouge pas, qu'on n'évolue pas, qu'on ne produit rien, qu'aucune vision ne s'accomplit, parce qu'on est paresseux. Mais comment détruire cette paresse ? Est-ce que ça va être des enseignements qui vont être donnés, et on va remplir notre tête, remplir notre cœur? Non, je vais vous dire, il n'y a pas d'enseignement pour enlever la paresse. Pas d'enseignement, il y a juste besoin de motivation. La clé, c'est la motivation. Si quelqu'un est motivé par quelque chose, il n'a pas besoin d'avoir plus que ce qu'il a. Quand quelqu'un est motivé, il va se donner à fond. Je vous donne un exemple. Moi, il y a quelque chose que j'aime vraiment pas faire, c'est courir. Mais quand je cours, j'ai l'impression de mourir. Mais ça va changer, hein, je vous le dis. Mais quand je cours, j'ai l'impression de mourir. Mais mourir, littéralement, c'est horrible. Tout le kit. Bref, c'est la pire chose. Tu peux me demander de courir avec toi, je vais te dire non, non, non. C'est sûr, je ne courrai pas avec toi. Mais si tu viens vers moi et tu me dis, écoute, il y a quelqu'un qui nous a dit que si on fait une course de 5 km et qu'il nous donne pour cette course 100 000 $, je peux vous dire, tout de suite, je mets mes chaussures et je suis le premier à courir. Ah bah oui ! Vous voyez ? Tous les arguments viennent de tomber, tous, sans exception. Parce que tout à coup, j'ai une bonne raison qui me motive. Quelle est la raison qui te motive à voir grand et à payer le prix pour le royaume de Dieu ? Quelle est cette raison ? Est-ce que tu l'as trouvé, cette source de motivation? Et si la paresse était simplement parce que tu n'as pas encore la motivation? Je vais vous donner pour conclure 3 choses de motivation en 5 minutes. Et c'est fini. Donc, qu'est-ce qui va te motiver? Moi, ce qui me motive, premièrement, c'est mon amour pour Dieu. C'est ma plus grande source de motivation. Il a tout donné pour moi. Je vais lui donner en retour tout. Il a sacrifié sa vie pour moi, il a versé son sang. Hey, je vais me donner pour mon Dieu, pour le temps qui me reste sur cette terre, avant de le revoir, je vais me donner. Jésus a dit à Pierre, Pierre s'était disqualifié, parce qu'il avait renié 3 fois Jésus. Je crois que Pierre, littéralement, s'était disqualifié. Je peux imaginer Pierre s'est dit, je suis plus digne de le servir, je le servirai plus, j'ai renié 3 fois le maître, j'ai honte, c'est fini. Mais Jésus va relever Pierre, il va lui dire, Pierre, m'aimes-tu ? Alors si tu m'aimes, paie mes brebis, serre-moi. Il va redire à Pierre, Pierre, m'aimes-tu ? Voyez-vous la question qu'il pose à Pierre pour qu'il trouve la force à nouveau de paître ses brebis et de le servir et de faire sa volonté, c'est quoi ? M'aimes-tu ? Et pour la 3e fois, il lui repose la question, Pierre, m'aimes-tu ? Alors, si tu m'aimes, paie mes brebis, serre-moi. Si tu m'aimes, tu vas me servir. Si tu m'aimes vraiment, trouve dans cet amour la motivation de me servir, parce que j'ai besoin de toi, Pierre. Le royaume a besoin de toi. Et c'est ce qu'il faut faire, trouver dans cet amour la force de le servir. Vous savez, une seule chose va compter au final, c'est son regard et son approbation.
Toutes ces choses sur cette terre vont passer, la maison, les voitures, les plaisirs, et tout, ça va disparaître. On va monter nu là-haut. Et on va se retrouver face à Jésus-Christ et son regard de flamme, d'amour, qui va faire tout tomber, tout mettre à nu et à la lumière. Il ne restera que son approbation, que lui, que lui. Et il va te regarder dans les yeux, son regard rempli de compassion et d'amour, devant le tribunal de Jésus, pas pour te condamner, mais il est censé être là pour te récompenser, ce tribunal, pour te récompenser. Et il va te dire merci, merci d'avoir pris soin de mes brebis, merci d'avoir pris soin des âmes. Il va te regarder, il va te dire merci d'avoir accueilli chaque fois à l'église les nouveaux qui sont arrivés avec un tel sourire que juste ton sourire a reflété mon cœur et qui se donnait à moi. Ils étaient disposés. Merci parce que je t'avais béni financièrement et tu n'as pas gardé cet argent pour toi uniquement, mais tu as mis une grande part pour le service du royaume de Dieu. Alors merci, entre dans la joie de ton maître, bon et fidèle serviteur. C'est ça qui comptera. Ça, c'est la deuxième chose, la deuxième motivation, les récompenses. Ma récompense première, notre récompense première, ce sera ce qu'il nous donnera comme approbation, premièrement. Celui que notre cœur aime, celui pour qui est toute chose et par qui sont toutes choses. Celui qui sera notre soleil et notre roi, son approbation. Mais il va aussi offrir des cadeaux. Écoutez, sur cette terre, on investit tellement de temps, d'énergie et de motivation pour des choses éphémères. Jésus dit, ayez les yeux fixés là-haut, là où il n'y a pas de rouille, là où les choses demeurent. Et il va nous donner des cadeaux qui ne sont pas comme des cadeaux d'hommes. Déjà juste la maison, écoutez, la maison, elle est importante. Mais la maison sera fonction du prix que tu auras payé pour le servir et de l'obéissance que tu auras eue. Ouais, la gloire de cette maison et sa splendeur et son confort et tout ça, oui. On n'aura pas tous les mêmes maisons, non. Notre corps, nous dit la Bible, n'aura pas tous le même éclat. Est-ce que tu vas briller comme un général? Et Jésus a dit, les derniers seront les premiers, il y aura des surprises. La sœur qui fléchissait le genou dans le secret pour que les âmes se convertissent aura peut-être un corps beaucoup plus lumineux que bien des gens qui étaient visibles et exposés. Mais l'éclat de notre corps céleste et le petit caillou blanc où il va écrire quelque chose te concernant, ton nom, où ce sera juste connu entre toi et lui, l'intimité et les responsabilités dans le royaume, tout ce qu'il va te donner comme charge et responsabilité pour ton épanouissement, toutes ces choses, ce sont les récompenses. Alors, la motivation va venir de tes récompenses. Et la troisième chose qui va te motiver, c'est la vision. Parce que si tu ne fais pas ce que tu dois faire, et si on ne fait pas ce qu'on doit faire, cette grande et glorieuse vision terminera au cimetière. Elle ne s'accomplira pas. Par motivation pour une vision, des gens ont fait de grandes choses. Je prends souvent cet exemple de Michael Jordan, le basketteur. Un jour, un docteur à un ministère qui s'appelle Miles Monroe rentrait à l'hôtel dans un ascenseur et il y avait Michael Jordan à côté de lui. Et là, Miles Monroe disait « Oh, j'avais une question qui me torturait quand j'ai vu Michael Jordan. Il fallait que je la lui pose. » J'ai dit « Hello, Michael. » Bon, je ne vais pas le dire en anglais, je parle mal anglais. Mais il va dire « J'ai une question à te poser, Michael. Quelle est la clé de ton succès? Comment tu as fait pour devenir le plus grand joueur de basketball de tous les temps ?» Il a dit « La clé de mon succès a eu lieu quand tout le monde dormait. Parce que quand j'étais enfant, j'étais le plus mauvais joueur de basketball de mon équipe et mon coach m'a dit « Tu ne seras jamais un bon joueur de basketball. » Quand il m'a dit ça, ça a fait naître en moi une vision. Celle de devenir le plus grand joueur de basketball de la planète. J'étais tellement motivé que je suis rentré, j'ai dit à maman, achète-moi un ballon. Et tous les matins, pendant des années, de longues années, pendant que les enfants dormaient, je me levais à 4h du matin avant d'aller à l'école et j'allais dans le vieux gymnase de l'école. Il y avait des rats, c'était tout. Et il était là et il faisait des paniers. Il shootait pendant 4h, tous les matins, à 4h jusqu'à 8h. Et il allait ensuite à l'école. Et c'est là que je suis devenu le meilleur. La vision va te pousser à travailler, à te donner,
afin que tes progrès soient évidents, à chercher, afin de trouver, à frapper, afin d'obtenir, à demander, afin de recevoir cette vision. Alors, trouve ta motivation dans l'amour, trouve ta motivation dans cette vision grande que tu veux et qu'il faut que Dieu accomplisse à travers ta vie, à travers notre Église, et aussi dans les récompenses. Sois intelligent. Amen. On va fermer nos yeux. Seigneur, merci.